Maintenant, donc, dans le texte de la Commission, les articles de la proposition de loi. Nous avons un article premier. Monsieur Folio est inscrit pour deux minutes sur l'article premier. Merci, euh, Madame la Présidente, euh, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Euh, la création d'une commune nouvelle n'est pas quelque chose d'anodin. De euh, pour une bonne et simple raison, c'est que les communes sont multiséculaires. Euh, Créés sous la Révolution, issus la plupart du temps euh, des paroisses de l'Ancien Régime. Ce sont euh, des éléments de, euh, qui constituent, j'allais dire, la base de notre démocratie avec tout ce que cela comporte. Fontrieu est le nom d'une commune nouvelle du département du Tarn, issue des communes de Castelnau-de-Brassac, de, euh, de Ferrières et du Marniès. Comme une nouvelle belle garde Marsal, sont l'exemple que notre département n'est pas, bien entendu, en retard par rapport à ces éléments. En tout état de cause, cela interpelle à bien des égards parce qu'il y a un certain nombre de points et d'éléments qui sont très positifs dans ce texte, que bien entendu je voterai, avec plus particulièrement les possibilités d'avoir la reconstitution de ce qu'on appelait les sections de communes à l'époque et qui, permettent de flécher un certain nombre d'élus, euh, donc issus des communes historiques. Il y a malgré tout un certain nombre de points et d'éléments euh, qui, 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 qui font toujours débat, ne serait ce que par rapport au fait que toutes les communes nouvelles de moins de 1000 habitants euh, n'ont pas, euh, j'allais dire, les, les, les possibilités de pouvoir bénéficier de dotations euh, financières euh, égales aux autres. C'est un sujet, un sujet qui méritera d'être étudié, d'être traité, parce que euh, somme toute, chaque fois que l'on met en œuvre un certain nombre de procédures qui vont toujours vers le rapprochement, la fusion. Je ne vais pas revenir sur les éléments concernant les communautés de communes, avec les disparitions des plus petites communautés de communes, et, et, et sachant que nous pouvons avoir dans une même région, dans des départements, des situations qui sont des situations très dissemblables et très différentes, et que dans ce cadre-là. Il est important de tenir compte des éléments de réalité de terrain. Et je crois que le fait que l'on tienne compte de la taille des communes par rapport à ces éléments démographiques est un élément qui mérite d'être étudié avec beaucoup, beaucoup de responsabilité. Je vous remercie. Monsieur Stroman, pour deux minutes.